pas normal que ceux qui ont un peu moins de sous, donc qui sont obligés de partir plus loin de Paris souvent, qui ont les plus longs transports, qui ont le matériel le plus moche, soient en plus ceux qui payent le plus cher. C'est quand même contraire à toute justice. Nathalie Kosciusko-Morizet reproche à la région d'avoir tardé à rénover les RER, les voies ferrées, mais aussi la grille des tarifs. L'UMP réclame 2 zones au lieu des 6 actuellement et accuse Jean-Paul Huchon et sa majorité d'avoir délaissé à tort les automobilistes. Priorité donnée également au transport pour l'aménagement du plateau de Saclay. En disant 2 choses, c'est que, un, il n'y aurait pas de cité scientifique à Saclay sans transport en commun, et qu'on ne construirait rien sur Saclay si on ne réglait pas d'abord la question des transports, et deuxièmement, que cette cité, elle serait faite dans un esprit de parc naturel, c'est-à-dire qu'elle serait faite pour s'inscrire dans une nature. On ne fera pas une ville sur le plateau de Saclay, on y fera un campus qui attirera les chercheurs du monde entier, les étudiants du monde entier, parce que ce sera beau, parce que ce sera un village, parce que ce sera accueillant. La candidate accuse aussi François Lamy, député socialiste de Palaiseau, de chercher à s'attribuer le mérite d'avoir sanctuarisé 2300 hectares de terres agricoles sur le plateau. Et moi je suis très fière qu'avec Nathalie nous nous soyons bien battus, avec Pierre Lasbordes aussi, pour obtenir la sanctuarisation des 2300 hectares de terres agricoles sur le plateau de Saclay. Ce n'est pas Monsieur Lamy qui l'a obtenu, parce que c'est la majorité qui l'a voté. Dans ce scrutin, l'UMP part avec un handicap en Île-de-France. Seuls 2 départements sur 8 sont à droite.